Écoute très bien ce texte qui est tiré de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On va lire du verset 1 au verset 11. Au verset 12 même. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12, il est écrit ceci. En ce temps-là, Hérode le tétraque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. Amen. Or, quelle est cette histoire triste? C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé avant que Jésus ne vienne. Jean-Baptiste était un très grand serviteur de Dieu. Mais regardez ce que toutes les personnes, il te donne le droit de mettre le feu. Si c'est des personnes physiques,
si c'est des personnes spirituelles, si c'est des démons, si c'est le diable, si c'est ton frère, c'est ta soeur, si c'est ta mère, faut mettre le feu sur lui. Ça va finir. Amen. Le feu, le feu, le feu.